Bienvenue mon cher ami Fosséan. L'Olympique de Marseille n'a pas le droit à plus d'erreurs en Ligue des Champions. Et même ainsi, Longoria prendra-t-elle le risque? Après deux doublés face à Tottenham et à l'Eintracht Francfort, le club phocéen doit présenter un bon résultat la semaine prochaine face à la difficile équipe du Sporting Portugal qui rencontre l'épée dans la tête et est également pénalisée après les incidents survenus au Vélodrome face à l'équipe d'Allemagne. Le dernier jour. Après de violentes bagarres entre le parking visiteur et les tribunes olympiques, l'UEFA a décidé d'imposer purement et simplement un huis clos total lors de l'accueil du Sporting ainsi qu'une fermeture de la courbe nord face à Tottenham. Force est de constater que cette décision n'appartient pas à l'OM qui, déjà en grande difficulté lors des deux premiers matchs, risque d'être encore plus pénalisé pour la suite de la phase de poule. Mais Pablo Longoria a apparemment décidé de prendre le risque et envisage de faire appel de cette sanction. Publié par la Minute Marseille sur Twitter, l'équipe phocéenne étudie la possibilité de contester la décision prise par l'UEFA. Les Olympiens gardent espoir que l'instance dirigeante du football reconsidérera sa décision de fermer la courbe nord contre les Spurs. Cette décision de faire appel est assez risquée, et sera laissée à M. Longoria et compagnie. Et pour les fans olympiques, il reste à penser à la prochaine étape. Face à Angers SCO, 14e de Ligue 1.